Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à Saint-Sulpice-de-Royans, en Charente-Maritime. Comme vous pouvez le constater, on est devant un vieux bâtiment en ruine. C'est la mairie qui l'a vendu, ça lui appartenait. Donc maintenant, elle se sent plus responsable, bien évidemment. Par contre, l'entreprise de démolition, pour faire des logements sociaux ensuite, s'est arrêtée il y a un mois. Il paraît qu'elle a trouvé de l'amiante. Enfin, franchement, vu l'âge du bâtiment, même un enfant de 5 ans aurait peut-être prévu qu'il pouvait y avoir de l'amiante. Donc ça fait un mois qu'il est laissé comme ça. Et vous allez voir, vu les cordons de sécurité, on se demande comment il n'y a pas eu encore d'accident, surtout envers les enfants qui sont en vacances. Voilà l'un des cordons de sécurité pour empêcher tout individu de pénétrer sur le chantier. Voilà un autre cordon de sécurité, comme vous pouvez le constater, très difficile à franchir. Donc nous voilà au milieu des débris, en plus dans une zone de lotissement. Je me demande comment il n'y a toujours pas eu un enfant blessé. Il y a des choses qui se balancent là-haut. Vous voyez le toit en tôle ondulée. Enfin, tout le monde sait que ça, c'est de l'amiante. Il y a de grandes chances. Et les architectes de 2017, non. On m'a dit on est au mois de juillet, alors vous savez, juillet, août, il faudra peut-être falloir attendre septembre, hein. Bah oui, attendez, pas si vite. Comme la mairie a vendu le bâtiment, elle ne se sent plus responsable. Il me semble qu'on est quand même toujours dans le village, en plein milieu du village, en plein milieu d'un lotissement. Enfin, je pense que ça la concerne quand même un petit peu, la mairie. Donc voilà ce qu'on a sinon, un numéro de téléphone à appeler. Merci.